Yemnour, ce beau cadeau de fils Evin qui la réconforte. Yemnour est toujours retenu au Maroc avec son fils, Evin Miclet. Ce samedi 28 janvier, l'ancienne chroniqueuse de TPMP People sur C8 a partagé le beau cadeau que son fils lui fait. Et il lui a ravi le cœur. Le 15 novembre 2022 est une date à marquer d'une pierre blanche. Depuis ce jour, Yemnour est retenu au Maroc avec son fils Evin. D'après Vincent Miclet, l'ancienne candidate de Secret Story 8 aurait enlevé son fils de l'école alors qu'il en avait la garde. Lundi matin, après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Yemnour en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de Evin. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci, avait-il écrit sur son compte Instagram. Quelques heures plus tard, la chroniqueuse de TPMP People rectifiait le tir en expliquant que son ancien compagnon avait confisqué le passeport de son fils pour l'empêcher de rentrer à Cassis, où elle vit désormais. Depuis, l'ancienne meilleure amie de Nabila n'a pas d'autre choix que de rester à Marrakech. Si elle fait des pieds et des mains pour que le consulat lui rende le précieux document de son fils. Ses nombreux appels à l'aide n'ont rien donné. Alors, en attendant de regagner le territoire français, la jeune femme s'occupe comme elle peut, avec son petit Evin. Le 14 février 2023, cela fera exactement 3 mois qu'Ayem est retenu au Maroc avec son fils. Une situation qui devient insoutenable pour la jeune femme, comme elle l'a fait savoir sur Instagram. Le 25 janvier dernier, le 14 février, ça fera déjà 3 mois que je suis ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais on ne peut pas rester plus de 3 mois dans un pays qui n'est pas le nôtre. Avec tout le respect et l'amour que j'ai pour le Maroc, ce n'est pas mon pays, avait-elle expliqué en sanglots. Alors, pour réconforter sa maman, le fils de la jeune femme lui a fait, ce samedi 28 janvier, un beau dessin qui lui a ravi le cœur. La chroniqueuse de TPMP People a donc partagé le résultat du dessin de son fils unique dans ses stories Instagram. « Je vais te faire des ballons comme ça », déclare le petit Evin à sa maman. « Des ballons en forme de cœur », demande la principale intéressée qui trouve ça trop mignon. En cas de coup de mou, Yemnour sait qu'elle peut compter sur son fils pour lui remonter le moral. Un soutien important. Orice creștine pentru tine, fi egoista liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, puia, si, șoapă, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trei.